Et vous tenez. J'ai. Bah, de toute façon, je peux faire entrer. Là, une light. Voilà. Là. La ring light. L'embout qui sert à tenir ça, puis après le téléphone, à force de le faire, bah ça tient plus. Et je sais pas pourquoi je m'en doutais que ça allait pas tenir longtemps, ça. Donc voilà. C'était pire que mon ancien. Donc j'ai mené de main de maître pour en direct, hein, oui, bah oui. Naturel, comme toujours. Attendez, j'arrive. Voilà, faire un peu plus de lumière. Mais parce que tout à l'heure j'étais comme ça. Bon, ça fait un peu. Voilà. Au moins j'ai un petit bout en plus, quoi. De toute façon, je peux pas faire plus. Malheureusement. Donc voilà. Donc salutations mes chatons. C'est Chicouette. On se retrouve pour un unboxing de calendrier. Alors, pour de toute façon, vous savez lequel que c'est. Donc c'est Hello Body. Ça fait l'année dernière, ils étaient pas là. Ils l'avaient pas refait. Pardon. Oh, pardon. Du coup, donc ouais. Donc cette année, et ils ont vu que bah, le succès du premier a fonctionné. Donc ils en ont fait un deuxième. Je l'ai payé 165 au lieu de je sais plus combien. Par contre, j'ai une grosse déception. Contrairement à la première fois. Vous allez me dire, c'est quoi ça? C'est du carton, hein. C'est du carton. Et quand on ouvre... que j'ai tout dit, non? Enfin, pas besoin de dire les choses. Donc ils ont mis ça dans un carton. Donc ils ont fait le packaging. Dans le carton, quoi. D'emballage. D'envoi. Donc il s'appelle Better Together. Donc il y a toujours les marques. Hello Body, c'est logique. Banana Beauty et Mermaid Plus. Le premier, j'avais. On va dire que je l'avais aimé parce que c'était la première fois. Mais on va dire que. Je pense qu'il va y avoir des doublons. Voilà. Mais j'ai un petit problème hein, parce que du coup, c'est pas dans l'ordre. Donc, va falloir que je dispose là devant moi. Puis je vous reprendrai quand voilà quand ça sera bon parce que sinon Donc j'ai envie de dire donc j'ai oui donc c'est 24 j'ai plus de voix 24 cases que des full size j'ai dit 165 euros si je me suis pas gourée oui c'est bon oh pardon on est vendredi je suis fatiguée je suis désolée. Nature peinture comme d'hab de toute façon. Voilà, c'est dans des pochettes comme ça on va dire. Voilà.
Par contre, les trucs, je vais les garder comme j'avais fait à l'époque. Au cas où, si je fais un swap calendrier l'année prochaine, parce que là, c'est mort. Voilà. Je vais garder pour ça. Je fais gaffe parce que si ma mère débarque. Voilà quoi. Bref. Donc voilà, pour ceux qui veulent pas être spoilés, allez-y, et qui l'ont déjà pris et qui veulent attendre le 1er décembre, vous pouvez partir de la vidéo. Mais avant, un petit like, un petit abonnement et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça soutient vachement en vrai. Donc je relis, hein. À suivre pour l'aventure, pour ce que... Oh merde, pourquoi je dis... Ouais, vous tenez avec deux bougies, hein. Une de Scarly et une de Ava Aimée. Pause, que je fasse pas le con. Voilà, alors, pour vraiment... Je vous ai pas menti, hein. Il y a ça pour recouvrir les produits, donc c'est pas ouf. Voilà. Là, c'est une déception pour ça déjà. Bon, croyez-moi que ça, je vais pas garder. Voilà. Et on peut commencer. Je vous jure, il y a trois que je dis pas de conneries. Il y a trois coloris. Il y a du rose rouge, violet et vert comme coloris. C'est parti. Hop là. Hop, donc les cases sont comme ça, donc ils sont assez comme l'année dernière, hein, en mode petit clou comme ça. Donc hop. On commence avec la marque Hello Body et du coup c'est le Coco Day. Donc c'est une crème de jour. À la coco, bien évidemment, 50 grammes, toujours full size. C'est celui-ci qu'on connaît. Après, je me rappelle plus. Il y en a que. On va voir de toute façon. Mais lui, je me rappelle plus s'il était dans le. Dans le. Je vais remettre. Je vais les mettre dans l'ordre après. Je me rappelle plus si il était dans le premier. Case 2. Alors, nous avons la marque Banana Beauty. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Beurre à lèvres hydratant teinté. Teinte Sweetie. Donc, je peux l'ouvrir. Voilà, parce que je sais que je vais garder certainement. Satisfaction. Il s'est mal lâché, mais c'est pas grave. Bon, l'intérieur, ils sont comme ça. Ouais. Dégage. Donc ils sont normal, ils sont comme ça. Et du coup, c'est un. Oh! C'est un rose gold. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Je le vois moi. C'est un rose gold. Oh, trop bien! Hâte de le tester du coup. Voilà, comme ça. Je n'aurai pas enlevé pendant les vlogmas. Case numéro 3, elle est grande. S'ils ont fait les cases bien, les choses bien, ça doit être mermaid plus ou moins. C'est le Raw Coconut, c'est le shampoing. Oui, bah, la coco. Hein. Full size aussi. Je me rappelle plus, je vous jure que je me rappelle plus si je l'avais déjà ou pas. Après, je me rappelle l'année dernière, il y a 2 ans, il y avait beaucoup de trucs pour cheveux, genre les sprays, les machins. Je me rappelle de ça par contre. Mais. En espérant qu'ils y soient pas, quoi. Ça par contre. Il y avait un spray pour sécher les cheveux plus vite.
Ah non, pas du tout. 4. Du coup, on passe à la violette. Voilà. Banana Beauty, c'est quoi? C'est un mascara curling. Il est peut-être marron. Oui. Curl Me Up Bronze, je pense que c'est la teinte. Packaging. Voilà. Ah, oui, il faut que je parle d'un truc après. Sympathique le packaging, hein. L'écriture et tout. Donc, il est bien marron. Moi, je dis que ça change. Après, à tester quoi. À tester. Parce que tu peux être satisfait comme déçu parfois. Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Même si je connais le coco des la crème de jour de 5, pardon. Ça peut. J'ai eu dans la blissime celui-ci. Donc c'est le spray visage. Comment ils appellent ça, putain? Pardon. Formé avec de l'eau de rose, ce spray visage. Donc voilà, c'est un spray visage. À la rose, dans la gamme Rose Breeze. Donc celui-là, on l'avait reçu. Bonjour la lumière. Ah ouais. Donc lui, je vais pas le... pour le coup, je vais pas le garder. C'est pas, on va dire, une des mes skincare préférées, quoi. Je vais voir avec ma soeur, parce que même elle, si elle a... Même si... Merde. S'ils sont pas sauvés, même si elle a déjà à reprendre. Donc, voilà. Alors... Comment ils appellent ça? Un crayon kohl, longue tenue avec texture douce. La teinte badass babe. C'est une teinte bleue, je suis sûre. Le packaging est donc ça, je garde, je suis con. Ouais. C'est un bleu nuit. Alors, il va pas se voir. Hein. Moi, vous allez voir. Noir, mais c'est un bleu nuit. Donc, de souvenirs, on n'avait pas. Ça, c'est bien. Sept. L'effort en anglais, ça veut dire quoi? Better together. Voilà. Je vous fais travailler un petit peu quand même. Hello Body, donc du coup c'est un gel nettoyant à l'aloe wash. À l'aloe quoi, parce que je dis ça, mais il se voit pas là. Donc le gel nettoyant visage quotidien à l'aloe vera et à l'eau de concombre. Oh, il doit sentir bon en plus. Celui-ci, ça me dit rien. Ça me dit rien, je sais même pas si j'ai déjà reçu en. Alors, je me rappelle de la mousse nettoyante qui est excellente. C'est le seul pas. Ce format-là, ça me dit rien. 8, du coup. Mais un mètre plus mi, et du coup, c'est l'après-shampoing à l'hibiscus, du coup. Je sais plus du tout. Vu que les packagings sont très ressemblants et c'est les mêmes, donc je ne sais pas si j'ai pas. Voilà. L'œuf. C'est pour ça. Il faut que je regarde ma vidéo d'il y a 2 ans.
vois du bleu encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est Banana Beauty. Et du coup, c'est un top coat transparent pour les cils. Donne à ton mascara des propriétés waterproof. Attends. Hein? Je comprends pas le délire. Attends, faut que je vois le truc là. Genre, tu mets ça avant ton mascara. Et après, ton mascara devient waterproof. Pousse. Pouf. Oh, par contre, le packaging est trop beau. Je sais pas si vous voyez le relief là. Vache. Vous savez quoi? J'ai tellement envie de le tester. Vous savez que c'est pas mon dada les trucs comme ça. C'est marqué sur le packaging en fait, parce que MDR. Waterproof mascara top coat. Oui, c'est un top coat. Mais en fait, c'est le fait waterproof qui me tente là. Alors, le 10. Aïe. Oula. Je sais plus, je sais que je l'ai reçu dans. Dans la blissime, mais lui, j'ai gardé l'emballage avec. Peut-être donner ça à ma soeur, par contre. C'est le Coconut Matifine Clay Mask. Clay Face. Clay Face, Face Mask. Oh, c'est bien dire. Lui, je sais que je l'ai déjà eu. Je sais plus dans quoi, mais dans une des box Blissim ou des éditions limitées de Blissim ou Splendist ou le calendrier des Lobodies, je me rappelle plus. Voilà. Donc je vous avoue que ça, je vais le donner. Pardon, je fais quand même la découverte, hein, je trouve. Ça va. Ah, là par contre, je suis sûre. Et en plus, je sais à qui je l'ai donné. Je l'ai donné à mon petit papillon. Je l'ai donné à toi, Marianne, de la chaîne Beauty Gold. Et je ne vais pas le garder pour le coup. Parce que si je ne l'avais pas gardé, c'était fait exprès. Non pas pour donner un produit, mais voilà. C'est un traitement anti-bouton qui aide à combattre les imperfections et à réduire les rougeurs. Ça. Dans la gamme rose SOS. Et je pense que j'ai donné ça à ma soeur. Voilà, pour le coup. On va avoir un petit colis. Enfin, un petit colis. Chacun en aura beaucoup de bénéfices. Apparemment, j'ai un cadeau de ma soeur. Ma mère est au courant. Beurre, moi je suis pas au courant. J'ai fait une très douce. Qu'est-ce que c'est que ça là? Banana Beauty. C'est un rouge à lèvres classique au fini mat dans la teinte Down 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 Girl. S'il te plaît. Ah, ça va pas jusqu'au bout. Ok. Dégage. Et du coup, bon, packaging classique. J'ai l'impression que c'est un rose poudré. Enfin, en tout cas, la texture poudrée. J'adore les odeurs de Banana Beauty, par contre. Un rose. Bois de rose, un bois de rose, je cherchais un peu. J'ai dit Beverly, je connais le terme, mais bon, tant que ça vienne. Bon. Donc là, je sais que je ne l'ai pas eu, oui. 13, est-ce qu'il porte chance ou pas chance? La boîte, elle est là.
Bon, t'as un petit peu, bah tiens, qui arrête en bas. Pas chance. Bon, c'est Hello Body, mais pas chance. C'est du coup le gommage visage. Voir avec ma soeur, je sais pas si elle va le prendre. Si elle le prend pas, ça sera en concours celui-ci, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr en fait. 14. Banana Beauty, du coup, j'ai pas la teinte, donc c'est bien. Je vais pouvoir l'enlever. C'est un beurre à lèvres hydratant et teinté, il s'appelle Cutie Pie. Oh, c'est un quoi lui? Un marron? Ouais, un marron. J'ai hâte de les tester parce que franchement. Banana Beauty, ils tiennent, faut le savoir. C'est comme les. Oh, c'est quelle marque? Huda Beauty. 15. Hello Body, ah, je connais pas ça. C'est un booster, donc moi j'appelle ça un sérum. Alors, c'est un sérum au 5% aux peptides complexes. Donc, c'est l'élasticité et firme. Oh putain, c'est quoi firming? Français. Alors, je vais lire carrément. Booster hautement concentré avec un complexe peptidique à 5% qui stimule la production de collagène et cible les signes de l'âge pour une peau d'apparence rajeunie. Donc quelques gouttes sur le visage et le cou préalablement nettoyé, oui. Puis suivre avec une crème hydratante pour usage externe uniquement. Éviter la zone des yeux et de la bouche. À tester, pardon, excusez-moi. Donc c'est bien, c'est pas des produits qu'on a dans les box. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. 16. Mermaid plus Me, et c'est du coup. Masque à l'argile pour les cheveux et c'est à la coco. Je suis en train de chercher le français. Pourquoi il n'y a pas le français là-dedans? Il y a. Gna gna. Pardon, excusez-moi. Ça m'énerve. Ah oui, c'est vrai que c'était déjà le cas. Bon là, c'est un. Vu que c'est marqué Hydrated Air, c'est pour les cheveux en fait. C'est un masque mais en mode. En mode argile quoi. Ok, 17. Banana but. Oh, bah je ne vais pas défaire le packaging puisque c'est un highlighter. Un highlighter de chez Banana Beauty. C'est la teinte Dear Sparkle.
stick en liminaire crémeux. En plus, crémeux. Enfin, voilà. Vous avez le packaging normal d'un. Et je sais pas si ma sœur le prendra. Je ne sais pas. Hop là, 18. On va pas venir là. Et l'ombrodini, c'est quoi ça? C'est un. Ça va être pour ma soeur pour le coup. C'est un sérum fortifiant pour les cils, plus épais, volumineux et long en 6 à 8 semaines. Pas pour moi, ça va être pour ma soeur. Je crois qu'elle en a même pas besoin. Je sais même pas si elle va le prendre du coup. On va voir. Sinon, bah, ça sera pour vous. 19. Et le body, du coup, c'est encore un sérum. C'est 10% niacinamide. Refining plus soothing. Oh là là, le français. Booster hautement concentré avec 10% de niacinamide qui améliore la texture de la peau et la rend plus uniforme pour un grain de peau affiné. Il faut ajouter une protection solaire pendant la journée. Merde. Hashtag bleu. Aïe, 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 oui, aïe. Genre. Banana Beauty, et c'est un eyeliner ouf, vert. La teinte It Dope. Elle a l'air longue tenue ultra mat teinte vert pétrole. Faut que je regarde. Aïe. Et ben la teinte, elle est comme ça, la vache. Waouh. Un eyeliner. Alors par contre, si je vais tester. C'est un eyeliner, donc on va regarder ça. C'est original, on a jamais des eyeliners de couleur comme ça. Moi j'aime bien. Ça change. 21, on approche de la fin. Mermaid plus Mi, et du coup c'est. Encore pour les cheveux, mais Mermaid plus Mi, c'est une marque spécialisée pour les cheveux, je crois. Puisque depuis le début, c'est ça, c'est que pour les cheveux. Donc, c'est un masque encore en argile et c'est Power Papaya, donc papaya. C'est peut-être la papaye et ça ne dit rien. Donc, je suppose que ça, c'est nouveau, hein. Pour l'instant, quand je suis sûre, mais quand je suis pas sûre. Voilà. 22. V'là les flics. Hello Body, et c'est un doublon calendrier. C'est du coup le contour des yeux dans la gamme Cara Look. Crème contour des yeux illuminatrice pour un regard à vue que je vais pas aimer. Donc ça va être ma soeur qui va peut-être l'avoir. Je sais plus si elle l'avait. Mais je suis con, elle l'avait eu le calendrier, le body. C'est vrai qu'on l'avait pris ensemble. C'est vrai. Donc après, voilà, à voir avec elle. 23. Ça va dépasser les 30 minutes, voilà. Banana Beauty, du coup, c'est un Velvet Lip Mousse. Oh, j'adore.
C'est quelle teinte ça? A bold de type. Ah, j'ai un putain de doute. J'ai un doute. Je crois que je l'ai déjà lui. Tant pis, hein, il sera cassé. Au cas où si c'est. Oh putain, je crois que je l'ai déjà. Ouais, je crois que je l'ai déjà lui. Et c'était dans le cadre de l'avant-dernière dernière, peut-être. Ah, je me ramène un peu. Et la dernière case. Ça doit être forcément du long body. Oui. Et c'est un. Oh putain. Par contre, j'ai eu. Il est. C'est chiant. J'allais dire, il n'est pas varié, mais la marque Mermaid Plus Me, c'est une marque spécialisée pour cheveux. Donc là, c'est encore un sérum en fait. Enfin, c'est un sérum, pas forcément un booster. Un sérum. Ah bah non, il est marqué Glow Booster, donc j'ai envie de te dire, voilà. Français. Booster d'éclat à base de squalane qui aide à retenir l'hydratation de ta peau. Voilà. Et je sais plus si je l'ai déjà eu ou pas, mais je sais plus. Mais je crois pas. Je crois pas. Bon, j'aurais. C'est con à dire, mais j'aurais préféré un maquillage à la case 24. Alors. Franchement, alors, je le trouve bien. Après, il y a, y a quand même des doublons calendrier. Il y en a, je pense qu'il y en a très peu, mais quand même. Ouais, je crois que j'en ai vu 2-3, un truc comme ça. Bon, sur 24, ça va. Mais ça m'a mis un coup. Sans déconner, c'est. Ouais. Mais bon. Vous avez bougé du coup, je crois un peu. Oui, j'ai oublié d'enlever mon son. C'est pas grave. Du coup, ça va, mais je. Après, pour le prix 165, ça va. Ça va. Parce que le body, c'est une. Déjà, Banana Beauty, c'est une marque qui coûte cher. Donc, vu ce qu'on a eu, voilà. Mermaid Plus Me aussi. Et Low Body aussi. Hein. Donc, en vrai, je peux rien dire pour le prix. Je l'ai tenté. Hein, je l'ai tenté. De visuel comme ça, j'ai cru que j'avais des doublons. Mais c'est genre beaucoup de doublons maintenant. Vu que le packaging de. De Mermaid Plus Me, c'est les mêmes, donc c'est compliqué. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous n'avez pas le même avis. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Mais avant ça, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement. Si le cœur vous en dit, moi, je vous embrasse et je vous aime. Merci.